Bonne nouvelle pour la reconnaissance de l'écocide à Bruxelles. Depuis notre élection au Parlement européen, nous nous battons pour la reconnaissance de l'écocide. Et ça y est, c'est maintenant, puisque nous travaillons actuellement sur la révision de la directive sur la criminalité environnementale. C'est un texte crucial car les crimes environnementaux explosent. Et pourtant, le droit pénal n'est toujours pas à la hauteur pour mettre fin à l'impunité qui existe. Avec les Verts, on se bat pour inclure dans le texte la reconnaissance des écocides, les crimes les plus graves contre l'environnement comme les marées noires ou comme la déforestation massive en Amazonie. Il y a un mois, la Commission environnement a été la première à inscrire l'écocide dans sa version de la nouvelle directive sur la criminalité environnementale. Et aujourd'hui, deux nouvelles commissions ont voté en faveur de la reconnaissance de l'écocide. La commission des pétitions dans laquelle je siège. Et aussi la commission du développement dans laquelle je siège et j'ai été rapporteuse sur le texte. D'autres commissions doivent encore se prononcer et le travail n'est pas fini. Mais ce que ces premiers votes montrent, c'est que nous sommes en train de construire une véritable majorité politique en Europe pour le soutien à la reconnaissance de l'écocide. Alors, nous allons continuer à convaincre nos collègues ici à Bruxelles pour enfin inscrire l'écocide dans le droit et mettre fin à l'impunité pour celles et ceux qui les commettent. Ensemble pour la reconnaissance de l'écocide.